Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Havre, les animaux et nous. Moi, c'est Pauline et je pratique la connexion animale. Je voulais vous faire part aujourd'hui d'une expérience qui s'est produite et justement du regard, de mon regard qui a changé grâce à la connexion en fait, grâce à la connexion animale. Quand je communique avec des animaux, je partage des choses avec eux. C'est-à-dire que j'ai des demandes de connexion pour des problématiques ou savoir si les animaux vont bien, s'il y a un déménagement ou un événement particulier qui va arriver, un nouveau congénère, quoi que ce soit, savoir comment l'animal se sent, tout ça. Donc ça, c'est une chose. La connexion animale aussi, quand on a cette connexion, on peut l'utiliser pour tout. C'est-à-dire, si je vois un cheval, par exemple, si je croise un cheval en balade, je vais me connecter à lui. Non pas pour savoir comment est-ce qu'il ressent ses gardiens ou quoi que ce soit, non. Vraiment pour avoir un échange ensemble. C'est comme si vous croisez quelqu'un, que vous vous arrêtez et que vous discutez avec lui. Voilà, c'est un échange dans ce sens-là. Et je me suis rendu compte, alors peut-être que pour vous c'est normal, mais pour moi ça a vraiment fait tilt, que suite à la connexion, je voyais l'animal différemment. Pour moi, les animaux sont des êtres vivants à part entière, qu'on soit d'accord. Mais je les voyais avec leur... Je les vois, du moins, maintenant, quand j'ai vraiment cette connexion-là, quand j'ouvre mon canal et que je lui demande comment il va, comment il se sent, ce qu'il fait de ses journées, on discute, on se présente, et on partage des choses ensemble, je vois qu'ils sont vraiment... qui sont les êtres qui habitent ce corps de cheval, de chien, de chat que je peux croiser. Et mon regard ensuite est différent parce que je vois l'individu, vraiment. J'ai dialogué, j'ai échangé avec l'individu que j'ai croisé en fait. C'est plus le cheval qui est dans le pré, c'est l'individu dans ce corps de cheval qui est dans ce pré. Et la connexion animale, ou la communication, voilà, tout simplement le fait de se connecter comme ça aux animaux, d'apprendre ça, vraiment on a ce regard qui change vraiment sur l'individualité en fait. Vraiment la personne, l'énergie qui est à l'intérieur de cette enveloppe. Et ça me fait penser quand on croise quelqu'un, mettons on est invité en repas de famille ou quoi, et il y a une nouvelle personne voilà, qui est là, on ne la connaît pas. On ne sait pas qui elle est, parce qu'on n'a pas encore échangé avec elle. On peut avoir peut-être des a priori sur cette personne, ou commencer à la juger comme ça, rien qu'en la regardant. Et quand on commence à discuter avec elle, à échanger, eh bien, on se rend compte que, ouais, en fait, cette personne a plein de points communs. Elle adore, admettons, la nature, voilà, ou au contraire, on voit que ça ne matche pas, mais voilà. Mais au moins, on a échangé avec elle et on arrive à se positionner, voilà. Et du coup, cette personne nous est familière une fois qu'on a échangé avec elle. Et bien, pour les animaux, pour moi, c'est ce que je ressens. En fait, c'est la même chose. Je suis très régulièrement, deux chats. Et c'est vrai que quand j'ai vraiment communiqué avec l'un d'eux, vraiment, parce que je m'étais plus attardée sur un des chats. On avait beaucoup échangé et tout ça. Et on voit que la relation n'est pas la même. Elle vient, elle miaule, on discute, enfin, c'est différent. Alors qu'avec l'autre, j'avais connecté, mais pas aussi profondément qu'avec la première. Et donc ce chat, quand j'ai fait cette connexion, j'ai vu qui il était vraiment, j'ai vraiment plus approfondi et je suis allée voir pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il faisait, c'était quoi sa mission en fait ici, et voilà, qui l'entourait, qui étaient ces êtres autour de lui, qu'est-ce qui dégage en fait, hein, vraiment. Et du coup, maintenant, le regard est différent. Je le vois différemment, en fait. Je le vois vraiment pas pareil. C'est vraiment comme un individu. Et tout ça pour vous dire
que la connexion, le fait de se refamiliariser avec ses sens comme ça, là, ses sens premiers de connexion, de lâcher prise, demander l'information en suggérant, on envoie, c'est une intention qu'on envoie, on a un retour, voilà, et ça, ça permet justement de connaître les animaux et de connaître, vraiment savoir qui ils sont vraiment. Peut-être qu'il a une attitude pas agréable ou qu'il grogne, qu'il est pas bien, mais il y a une raison derrière, pourquoi, comment, il faut aller creuser derrière, voilà. Donc tout ça pour vous dire que suite à mon apprentissage en connexion, en communication animale, pour retrouver en fait cette capacité qu'on a tous, et ben grâce à ça, grâce à ce travail que j'ai effectué et que j'effectue toujours, et bien cela permet vraiment d'avoir ce lien particulier avec n'importe quel animal que vous croisez. Ça peut être une coccinelle, ça peut être un lézard, un poisson, vraiment un oiseau qui vient sans arrêt dans votre jardin. Voilà, vous pouvez savoir qui il est. Qui il est, est-ce qu'il a une famille, où est-ce qu'il vit, pourquoi il vient, est-ce qu'il se sent bien ou non, de quoi il a besoin. Vous pouvez vraiment échanger, mais aller même plus loin que ça. Savoir qu'est-ce qu'il est venu faire ici, vraiment sa, entre guillemets, sa mission, enfin, tout ça. Les animaux nous montrent aussi qui ils sont par leurs attitudes, bien entendu. Mais approfondir en connexion, ça permet vraiment de savoir vraiment qui ils sont, quel est l'individu qui est à l'intérieur, et après vraiment le regard est différent. Dites-moi en commentaire si suite à une expérience avec un communicateur ou si vous-même vous avez fait l'expérience de connexion animale ou de communication animale, comment voyez-vous maintenant vos animaux ? J'aimerais bien le savoir. C'est intéressant voilà, d'échanger et de savoir justement un peu nos ressentis chacun qui ont fait l'expérience. Et si vous n'avez encore jamais fait cette expérience, je vous propose un entretien téléphonique pour pouvoir discuter de vos animaux. Et pourquoi pas après une connexion pour justement voir comment est votre animal et qui est l'individu qui habite ce corps. Je vous dis à bientôt.